première carte exceptionnelle, mesdames et messieurs. Et c'est déjà parti, mesdames et messieurs. C'est le premier round, let's go! Les cris du public, évidemment, au saut. Alors, est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on... Oula, oula. Quoi? Ça a l'air normal? Non, ça a pas l'air normal du tout, hein. Quoi? Ah, quoi? Ah, ok! C'est ça, sa phrase! C'est ça, son début! Oh, je suis mort! Oh, mais la légende du club! Oh, Wingo qui est juste derrière. Est-ce qu'il va pouvoir attraper la deuxième plaque pour attraper de vol? Non! Allez, premier passage complexe. Il faut rien toucher. Oh, réussir à bien se mettre dans la bande d'herbe, c'est bon. Le voilà, le dernier round de cette demi-finale. Il est là. Mais la montée peut aller vite. Entre Skandir et Djalik, les... Oh, dommage. Les deux sont qualifiés pour aller... Oh non, oh, il y a un Skandir. Oh, et ça va être tout droit pour Djalik. Est-ce que Djalik a réussi son cut? Est-ce que tout va bien pour Djalik? Djalik est premier, Djalik est premier. Je crois que oui. Je crois que oui. Vas-y, mon petit. Let's go. Il l'a. Oh là là, c'est tellement mérité. Je l'avais dit, c'était mon favori. C'est parti. Oh, regarde ce roue d'en roue exceptionnel entre trois joueurs. Oh, attends. Qui sont totalement collés. Et qui va chercher les 10 points, c'est Happy. Oh là là, Jimmy de Glast. Oh là là. Et c'est Karl. Attendez. La chatte. C'est la chatte. Ça va être la qualification, mesdames et messieurs. C'est parti. Et voilà qui le fait. On a trois finalistes, on a Granady, on a Otak et on a Afi. Et on a deux gardiens du temple qui peuvent aller empêcher ça, ce sont Karl Junior et Yves. Est-ce qu'on va avoir les deux joueurs Kakor qualifiés directement pour Montpellier? Ils sont collés. Et Granady, oh Granady. Attends, il a le checkpoint. Oui, il a le checkpoint, c'est bon. Il a le checkpoint. Je crois qu'il a eu la roulée, mais il a touché. C'est Otak. C'est tout droit pour Otak. C'est voilà, tout droit. Qualifié. C'est Otak. On est parti. C'est parti, on est en knockout. Le joueur qui finit dernier, il perd une vie. Voilà comment ça se passe. C'était pas mal, ça va quand même cut, hein. Il a une vie, cut, hein. Une vie, cut, le gars, hein. Une vie, cut. Est-ce qu'il passe? Oh oui. Let's go. Otak. Otak est en safe way. Ah là là. Ah là 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 là. Il est obligé de cut. Il est obligé. Et même avec ça, c'est quasiment sûr qu'il ne pourra pas revenir. Aïe, Otak. Des images terribles. Ok, attention. Là, il est plaqué. Plus question de Gomar Strat. Là, il faut tout risquer. On a Djalik. Ouais, des glaces qui sont encore en lice. Où il faut tomber. Glace qui va passer. Oh, glace. En septième, non. Ce sera perdu et ce sera l'élimination. Même trajectoire pour la plupart des joueurs. Hein, attends, la régie. Attends, Bren. Oh, Bren qui a peut-être chuté. Oh, Bren qui s'est retourné. Il est en train de finir en turtle. Il finit en turtle. Mais malheureusement, ça l'éliminera. Artanir contre Wozil, c'est maintenant. Il va devoir le faire. Il va devoir le faire, il est obligé. Oh, et de 1. Attention. Et de 2. Attention. Il monte. Oh, incroyable. Non, attendez. Est-ce qu'il passe? Non, il est pas passé. Il est pas passé. Il sera éliminé là-dessus. Attends, Gwen. Mais Gwen a chuté. Gwen a chuté si loin. Gwen est si loin, c'est perdu. Gwen est éliminé du format ascension. Et il réussira pas le cut non plus. Gwen. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal pour Mozil. Et pendant ce temps-là, devant, regarde, Djalik et Bunks qui termine, c'est terminé. Le 1v1. Quoi qu'il arrive, c'est terminé. Maintenant, on redescend, on fait le backflip. Oh, Djalik a touché. La run de Fox, Fox la légule. Le son de Fabas. Quoi? Où est Djalik? Quoi? Djalik est mort. Djalik qui va. Et